Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Par le représentant des bourgmestres, mot de son excellence
situation de l'affaire coutumière. 5 et enfants, remise symbolique de l'œuvre. Mesdames et messieurs, le programme étant ainsi énoncé, avec l'autorisation de leurs excellences ici présentes, j'invite très respectueusement le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouitre, commandant du service national. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'expression de ma très haute considération, Excellence Monsieur le vice-ministre en charge des questions coutumières, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté en général, Mesdames et Messieurs le bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs cadres, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités du protocole observé. La cérémonie de séjour est historique. Elle démontre effectivement que chaque Congolais, où qu'il se trouve, a le devoir de contribuer au développement de ce pays, dont béni nous légué par nos aïeux. Les temps où chaque Congolais était borné sur ses activités et responsabilités dans le strict respect de son ego est révolu. Nous devons aujourd'hui coordonner nos actions. Qui s'attendait à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles des bureaux aux communes? Cela relève de l'innovation. Cela marque que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Centralisation et Affaires coutumières. C'est l'occasion de rappeler à la conscience de nous tous ici présents, comme un cantique religieux, nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous en donner le moyen. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et la solidité au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Mais fût-ce que cela, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et du service national, et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, des instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux et bourgmestres. Dans la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ses joues et lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour qu'il le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ngalima, commune de Lancé, commune de Lingual, commune de Kalam, commune de Selemba,
commune de Bandalung, commune d'Enji, commune de Massib, commune de Kimbanseke, commune de Ngaba, commune de Makala, commune de Kisenso, commune de Boum, commune de Matete, et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt, et nous disons très bientôt. Nous avons dit travail, juste l'étape de finissage. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un voyage, quel qu'il soit, commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient déposer, sous l'instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais il ne sera sans doute pas le dernier. Le service national, en sa qualité de service paramilitaire, et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il demandera de partir et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Faut-il le rappeler, les meubles des bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national en scellé par le bâtisseur de la nation. Ces jeunes, qui autrefois appelés Kuluna, après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kanyamakassis, ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Outre les écoles qu'ils construisent, ils fabriquent de bancs scolaires qui ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, comme vous le constatez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses, mais nous vous présentons la vision du commandant suprême telle que concrétisée par des actions visibles. Il n'est pas anodin de signaler ici que les gestes de Son Excellence Monsieur le Président de la République et Commandant Suprême posent aujourd'hui en faveur des communes de la ville province de Kinshasa n'est pas le dernier. Il s'inscrit dans une série d'actions de grande envergure décidées par sa suprême autorité. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux des sièges et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet pour les tribunaux de Kinshasa plus ou moins 500 tables de bureaux, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience. Après la magistrature, ce sera le tour des états-majors des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui bénéficieront de cette dotation du président de la République et commandant suprême. Comme pour les écoles, le souci du commandant suprême est toujours d'améliorer les conditions de travail de ses compatriotes. Et vous dire de plus, sinon vous fixez rendez-vous pour une prochaine cérémonie. Bâtisseur de la nation, notre serment. La nationale congolaise, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, ni par la terre de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais, je m'engage, un, à ce Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays,
distingués invités en beauté, très qualité et respectueux. Nous sommes ici ce jour réunis dans cette cour, le bâtiment du ministère de l'Intérieur, de votre ministère, parce qu'il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme. En l'occurrence, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, qui a cru à notre service national et qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse, malheureusement une jeunesse désœuvrée, malheureusement une jeunesse qui n'a pas eu l'opportunité et l'occasion de recevoir un engagement utile et nécessaire pour la société. Par sa famille et de par notre système éducatif, il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer, la rendre utile pour notre cette jeunesse décriée, indexée. Cette jeunesse à laquelle on a donné des surnoms et des sous-bouquets comme celui de Kourou. Cette jeunesse dans laquelle on retrouve nos enfants, nos frères et soeurs. Il y a cru et aujourd'hui, il y a des cru. Le service national produit a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans la et dans les ameublements. Aujourd'hui, cela se fait au bénéfice de nos communes de l'économie. C'est une occasion pour reconnaître la valeur de notre pays. J'ai eu cette occasion d'avoir mis en place cet engagement politique, de l'avoir conduit jusqu'à ce qu'on obtienne ces résultats. Et nous vous demandons de continuer à aller plus loin pour faire en sorte que la République et notre économie en bénéficient davantage. C'est aussi pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à tous ceux qui participent à la chaîne de la mise en place et du maintien de l'ordre public. Nationale, notre système judiciaire aussi, qui porte aujourd'hui le fruit des autres. Avec tout ce mécanisme de la participation et de nous avons aujourd'hui l'action. Voilà, c'est pour dire que nous ne devons pas le détruire. Nous devons nous accueillir, continuer à aller de l'avant. Les difficultés sont là chaque jour. Nous avons des réalités qui sont neuves en termes de maintien de l'ordre public, mais nous avons des réponses. Nos frères et sœurs qui sont passés par ce maïs, qui ont été d'une manière ou d'une autre interpellés à perdre. Aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs. Aujourd'hui, ils ont produit et ils vont permettre à nos communes, à nos administrations territoriales, de travailler dans des meilleures conditions. Et c'est là l'occasion aussi de dire à ceux qui vont bénéficier de ça, ceux qui vont aujourd'hui recevoir ce matériel didactique, ces mêmes, de réaliser tout ce qu'ils quels sont les efforts qui ont été mis en place pour qu'aujourd'hui, nos communes, les 15 premières communes de Kinshasa puissent bénéficier de nouveaux matériels. En toute raison, mais à travers d'énormes efforts qui ont commencé d'abord par une volonté politique mise en place et ensuite un encadrement de notre service national, mais aussi la volonté de ces jeunes gens qui ont accepté cette éducation, cette transformation et qui ont donné de leur énergie
Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.